La vache de Darius Merjoui, c'est un film qui date donc de 1969 et c'est une date majeure dans l'histoire du cinéma iranien. Son réalisateur, Darius Merjoui, est quelqu'un qui a étudié aux États-Unis, en Californie, au début des années 60, qui a étudié la philosophie, mais qui a surtout énormément fréquenté les salles de cinéma de l'époque et qui s'est abreuvé aux élixirs de la nouvelle vague, des nouvelles vagues, aussi bien de Bergman ou de Fellini et d'Antonioni que de Godard et de Truffaut, qui voulait faire du cinéma en réalité. Il rentre en Iran au milieu des années 60 pour passer à la réalisation, et il essaye quelque chose dans un concours de circonstances un peu particulier où il va se retrouver réaliser une sorte de parodie de James Bond, de films un peu d'action, etc., qui s'appelle Diamond 35, est un échec complet à tout point de vue, et lui-même le renie plus ou moins aujourd'hui, et donc dit très clairement que son vrai premier film, c'est celui-là, La Vache, le film qu'il a voulu faire. C'est un film qui va occuper une place centrale dans l'histoire du cinéma iranien, telle que les Iraniens le perçoivent eux-mêmes. Ils font de ce film le point de départ de ce qu'on appelle en Iran le cinéma motafavet, ça veut dire le cinéma différent, qui commence à apparaître dans cette décennie des années 60. C'est même un peu injuste, disons-le rapidement, mais disons-le quand même pour d'autres, puisque comme toujours dans ces cas-là, il n'y a jamais qu'un seul film ni qu'un seul réalisateur, donc il y a des précurseurs importants, notamment Kamran Chirdel ou Shahid Salès, qui sont deux grands cinéastes qui vont commencer à faire un cinéma en rupture avec le cinéma dominant, qui était ce qu'on appelle le film farsi, qui était un mélange de cinéma policier, de comédie pas très subtile et d'érotisme soft. Se différenciant très clairement de toute cette veine dominante, Merjoui entreprend de faire ce film, La Vache, en rompant avec absolument tous les codes du cinéma tel qu'il se faisait en Iran à ce moment-là. Le geste le plus évident, le plus apparent, le plus immédiat, est de partir à la campagne et d'aller dans un petit village. Alors que le cinéma commercial, le cinéma archi-dominant en Iran, était un cinéma urbain, ou même, on pourrait plus dire, un cinéma des faubourgs, un cinéma populaire, extraordinairement populaire même, mais où les campagnes n'avaient pas beaucoup de place. Partir à la campagne, ça a un sens particulier, un sens politique, à ce moment-là, puisque les campagnes sont l'objet d'une immense campagne du pouvoir, d'une immense opération politique du pouvoir, du Shah d'Iran, ce qu'on appelle la Révolution blanche, d'une modernisation des zones rurales dont le régime s'honore et dont il fait grand cas, même si ça ne correspond pas exactement aux réalités sur place, ce dont va se retrouver témoigner ce film, qui est, dans un premier temps, financé par le gouvernement iranien, parce qu'ils se disent « Ah ben très bien, des jeunes vont aller documenter les choses magnifiques que notre gouvernement est en train de faire dans les campagnes. » Quand ils vont revenir avec le film sera interdit immédiatement et ils vont être extrêmement furieux de ce qui a été fait. Il y a donc des enjeux politiques autour de ce film. En même temps,
que des enjeux artistiques et dramaturgiques très, très particuliers. La Vache est adaptée d'une nouvelle qui appartient à un recueil de nouvelles d'un écrivain qui s'appelle Gholam Hossein Saïdi, avec lequel Merjoui a travaillé. Ils ont écrit le scénario ensemble en s'inspirant d'une des nouvelles de ce recueil qui s'appelle La Vache, mais en fait en recourant aussi aux personnages des autres nouvelles. Tout le livre se passe dans le même village et raconte des histoires différentes arrivant à différents habitants de ce village idéal, imaginaire. Ça ne renvoie pas à un village particulier dans la géographie iranienne. Et ils vont donc inventer cette histoire en même temps qu'ils vont élaborer une manière de la raconter tout à fait particulière, puisque La Vache associe quelque chose de très très réaliste, qu'on peut tout à fait rattacher au néoréalisme italien et à cette école de fiction, mais qui est nourri et saturé de documentaires, mélangé avec du fantastique avec quelque chose qui a à voir avec du surnaturel. Je me souviens, en ayant parlé avec Dariush Merjoui de sa jeunesse et de sa formation, et où nous parlions des films de la Nouvelle Vague qu'il avait vus en Californie, des réalisateurs de cette époque-là. Lui, le nom qu'il avait ajouté à ceux que moi je lui proposais, c'était Luis Buñuel. Et il disait, mais Buñuel venait et nous a montré des films à UCLA. Et la référence à Buñuel, c'est-à-dire ce mélange de réalisme et de fantastique, de surnaturel, d'étrangeté avec une dimension où il y a à la fois de la folie, quelque chose qui a à voir avec le mal, etc., et avec l'innocence en même temps, ça ne serait pas du tout absurde de lui trouver des échos dans le cinéma de Buñuel. En même temps, qu'elle documente la réalité de la vie extraordinairement dure des campagnes dans l'Iran de cette époque-là, ce qui est évidemment ce qui va déplaire souverainement au régime du Shah d'Iran. Ce film, il est inventé sur place avec, là aussi, ce mélange qui définit d'une certaine manière La Vache, de l'artifice et du réalisme, puisque les acteurs principaux sont des acteurs de théâtre. Ce ne sont pas des acteurs de cinéma, mais ce sont des professionnels, et même des professionnels d'un rapport à la représentation stylisée, plus artificielle, on pourrait dire, que le cinéma, mélangé avec des villageois, avec les habitants du village où finalement ils ont tourné, et que le film est bien cette circulation entre un artifice extrême, une fable, un conte fantastique, et une description très très réaliste. Merjoui témoignant combien son travail à lui avait été de faire contaminer les uns par les autres, c'est-à-dire que les acteurs de théâtre ont appris à jouer aux villageois et les villageois ont appris aux acteurs à moins jouer, si on peut dire, ou à jouer d'une manière moins outrée ou moins convenue, moins pré-formatée. Parmi ces acteurs, l'acteur principal, le paysan qui tombe amoureux de sa vache, on ne peut pas le dire autrement, et puis qui va finir par prendre sa place, Ezatollah Entezami, est déjà à l'époque un grand acteur de théâtre, il n'a jamais joué au cinéma, il va devenir une immense star du cinéma iranien, et aussi le partenaire de cinéma de Merjoui, puisqu'ils feront 7 films ensemble par la suite. Et donc c'est aussi cette chose-là qui advient dans ce film qui inscrit ce rapport effectivement très moderne dont on retrouverait sous des formes différentes les équivalents dans les nouvelles vagues qui balayent le monde du cinéma mais même la planète au cours des années 60 et qui radicalise le rapport à la fiction tout en s'ancrant dans des situations d'extrême réalisme.
Le film connaît une trajectoire compliquée, mais assez passionnante. Il est donc interdit, mais parce qu'il y a des tiraillements internes au sein des lieux de pouvoir en Iran, des gens plus démocrates veulent le montrer. Le festival de Shiraz réclame de pouvoir le montrer. Il est vu là par un public, alors un public spécialisé, un public d'un festival de cinéma, c'est pas le grand public, il n'est pas distribué, mais néanmoins, il est immédiatement reconnu, consacré comme un objet essentiel, une proposition artistique essentielle dans ce qui est en train d'arriver à un cinéma qui se pose la question de la modernité, qui se pose la question de réinventer son langage. Et il y a d'autres films dans cette période-là qui font un travail comparable, mais celui-là est en devient véritablement le symbole. Le fait d'avoir été montré à Shiraz fait qu'il a été vu par les sélectionneurs du Festival de Venise, où il sera montré en 1971, dans des conditions limites, puisqu'il est montré sans sous-titres. Et Merjoui est là au fond de la salle et traduit en voice-over la totalité du film en criant dans la grande salle du palais du festival. Néanmoins, il est accueilli triomphalement. Ça participe donc de la reconnaissance et de la visibilité du film et du fait qu'il occupe ce statut un peu fondateur, établi comme tel, reconnu comme tel, de ce grand basculement moderne qui après va être illustré, incarné par des gens comme Abbas Kiarostami, Amir Naderi, Beizaï, toute cette valeur symbolique va trouver une autre traduction 10 ans plus tard, au moment de la révolution iranienne. Le film est toujours interdit et Merjoui, entre-temps, a continué à faire des films. Il a fait des films avec un certain succès. Et puis, il fait un film pour accompagner la révolution, qui s'appelle « L'école où nous allions », et qui est une métaphore de la révolution, avec un personnage très très autoritaire et brutal, qui est le proviseur du lycée qu'on voit dans le film, le directeur de l'école, qui représente le Shah et qui justifie la révolte contre lui. Ce film, il le fait aux côtés de la révolution, mais le temps qu'il finisse le film, l'ayatollah Khomeini est arrivé au pouvoir, et ce film fait du côté révolutionnaire est perçu par ceux qui ont pris le pouvoir à l'issue de la révolution comme une attaque contre eux, et le film est à nouveau interdit. Pourtant, exactement au même moment, parce que la vache est passée, la vache qui est devenue un objet positif pour les révolutionnaires puisqu'il avait été interdit par le Shah, est passée à la télévision iranienne, et il semble que Khomeini l'ait vu. Et il exige que le film, lui, soit distribué. Il fait lever l'interdiction en salle de la vache, ce qui fait qu'au moment où son nouveau film est interdit par ce pouvoir-là fait circuler la vache dans les salles, en disant « nous voulons des films comme ça qui montrent la réalité de la vie du peuple, qui racontent combien c'est dur et combien nous avons besoin donc du nouveau régime ». Tout ça, évidemment, politiquement instrumentalisé, mais toujours est-il que c'est quand même cette relation assez étrange que Merjoui aura toute sa vie. Il sera obligé de s'exiler un peu après, il fera un film pour la télévision en France, avant de retourner poursuivre sa carrière en Iran. Le film est tourné dans des conditions sans contrôle du pouvoir pendant tout le temps où il est réalisé, par quelqu'un qui est très clairement contre le régime en place, à ce moment-là. Et pour Merjoui et les gens avec qui il travaille, il y a une volonté de dénoncer à la fois les conditions de vie, la misère, l'arriération des technologies, des moyens matériels, une certaine pauvreté affective aussi, cette relation du paysan avec sa vache
traduit aussi autre chose, on pourrait dire, mais également de montrer les chefs ou les gens qui sont dans des positions de pouvoir à l'intérieur du village de manière au mieux ironique, voire extrêmement critique, qui font partie du projet. Alors politique, mais dans un sens très ouvert, sur ce moment-là, enfin, c'est pas plus politique que Molière, si on veut. C'est-à-dire voilà, que les gens qui ont le pouvoir en abusent, on le sait, en même temps, c'est pas exactement une révélation. Mais évidemment, c'est néanmoins perçu de manière négative par la censure à cette époque-là. Et toutes ces raisons-là vont participer de l'interdiction du film qui va durer un certain nombre d'années comme interdiction complète, puis le film aura une espèce de semi-autorisation après les festivals et tout ça, sans arriver à être vraiment montré au grand public iranien à ce moment-là. Le film s'inscrit dans les codes et les comportements réels de l'Iran, mais en particulier ou de manière encore plus visible ou significative des campagnes, du monde rural, d'un monde plus archaïque, qui est un monde profond.